Salut à nos fans sur MTGQ. Bon, elle en est arrivée. Dernière boîte de Dominaria. Après ça, on passe au prochain set. Le prochain set sera un set de Vintage Legacy Commander avec la boîte là, qui sort, qui est orientée, multiplayer, Two-Head Giant, etc. Mais quand même, 80-85 nouvelles cartes qui vont être dans les formats Legacy, Vintage et Commander. Bon, ben qu'est-ce qu'on cherche dans cette dernière boîte-là, nous autres, c'est juste d'ajouter à nos grosses cartes. Là. Un Karn de plus, une Mira de plus, etc. pour pouvoir faire les decks standards. Sans avoir besoin d'aller rechercher encore des cartes de plus. Là. J'espère que la vidéo tienne. Je pourquoi tantôt on était presque rendu au bout et boum! Un bug. Ouais. Tellement pas jouable. Excusez, commentaire personnel. Beaucoup. Je pense que c'est mon deuxième ou troisième. Je pense que mon collègue chez MTGQ a été beaucoup plus chanceux pour ce qui est des cartes qu'on va jouer en tournoi. C'est-à-dire plusieurs Karn, plusieurs fois lui pour le rouge. Mais dans mon cas, j'ai eu beaucoup de mythiques au début, mais pas nécessairement celle qu'on veut pour jouer. En tout cas, pour les decks que je veux faire. Puis le Karn, on le voit là, commence à être dans tous les decks. On peut aller jusqu'en Legacy avec Karn. Son prix a augmenté. C'est correct, c'est une bonne carte aussi qui se mélange bien avec leur deck. Un autre, ça serait le fun, mais... Bon, ben, play 7. Parfait. Mon deck en rouge.
Ah, oh, en un court instant, j'ai vu la couleur. Et non. Pas impressionnant comme boîte jusqu'à maintenant. Ah ouais. Ouh, c'est chaud. Juggernaut foil. Bon, ben, play 7 de lui aussi, pour en vert. Correct. Mais, j'aurais pris d'autres. Qu'est-ce On va être down, grosse, là. On va être down, grosse. Ah, ben, coudonc. Bon, ça risque d'être la plus grosse du set. De la boîte, je veux dire. De cette boîte. C'est le deuxième.
tout juste avant la sortie de Dominaria, je suis passé dans un magasin de Magic. On les salue d'ailleurs, c'est à Plattsburg, au Medusa. Pas beaucoup de chance qu'ils nous écoutent, là, on parle en français, là, mais quand même. Puis on avait jasé un petit peu justement de Dominaria, puis je me rappelle que le propriétaire du magasin m'avait dit pour avoir un playset complet, ça va prendre environ 3 booster cases ou 18. Là, on a l'équivalent de fait, on va dire 7,5, presque 8 avec tous les boosters à la pièce ici et là, en fait total. Là. Presque 8. Et si on combine moi et mon collègue, on n'a pas un playset de 4. Un playset de 4. De ramasser du tout. Donc, mais avec la quantité de grosses qu'on a, mettons qu'on a plusieurs fois, 4 fois, là, comme on a un playset de Karn, playset de. Moi je pense que c'est la seule, le Mox Amber, mais il suffit de temps tout le temps. Mais je pense que c'est beaucoup plus rentable acheter ce qui manque. Si on veut vraiment un playset de 4 que de continuer à acheter des boîtes. Mais c'est souvent le cas d'ailleurs dans les éditions. Là. Les petites éditions, là, 145 cartes à 195 cartes, on peut dire ça, des petites éditions. Avec des boîtes de boosters d'habitude, là, tu ramasses un playset pas mal plus vite. Ou beaucoup plus proche d'avoir le playset. Tandis que dans le 250 à 300 cartes, là, ça m'en prend de la boîte. On voit souvent les mêmes, comme on dit. On voit souvent les mêmes communes, évidemment. Les mêmes bonnes communes, parce que ça fait beaucoup. Mais quand on arrive dans les mythiques ou certaines rares, ben, c'est ça que ça fait. Il en manque. On en a une fois, deux fois. Yes. 3. Bon, qu'est-ce qui nous attend dans ces deux derniers-là? Une grosse, parce que là, je pense que la meilleure, c'est vraiment notre Cabal Foil. C'est pas toutes des bonnes boîtes, comme on dit. Bon, un petit... un booster qu'on oublie. Et le dernier... qu'on va probablement oublier aussi.